Et bonjour tout le monde, on se retrouve à Cannes du coup pour le festival de Cannes. Comme vous avez pu le voir derrière moi, je pense que le cadre est plutôt idyllique. On se retrouve avec Erreur 42 et vous aurez des vidéos comme ça normalement tous les jours. Au bout de 3 jours, ça sera pas tous les jours. On commence aujourd'hui avec le premier jour, seulement la cérémonie d'ouverture, seulement le film d'ouverture, donc The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, qui a été projeté du coup hier en ouverture et dans 600 salles en simultané en France avec la cérémonie. C'était la première fois que le festival organisait ça. Et les remarques de Dorbert sur Netflix et la cérémonie en soi, c'était assez gênant pour le festival de Cannes, surtout par rapport au niveau de l'année dernière. Non mais Bill Murray, je pense que c'est assez... Bill Murray qui dormait, je pense. Bill Murray qui dort pendant la cérémonie, c'est... Bref, on ne parlera pas de cette cérémonie, on va juste parler du film d'ouverture, les remarques sur Cannes et sur Netflix, et sur les pizzas, Edouard Baird, je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, on va parler du film de Jim Jarmusch du coup, qui est en compétition, qui ouvre le festival et qui est aussi en compétition cette année. In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming. Excuse me, we're closed. Get away from me! Revient à Cannes, il était venu en 2016 présenter Patterson, déjà avec Adam Driver, il était reparti bredouille, mais il était quand même en compétition. Et là du coup il revient en ouverture avec un casting de folie, je pense que vous avez tous vu l'affiche, un casting à réveiller les morts. Et on va en parler là tout de suite, du coup ça a été la malédiction on va dire du film d'ouverture continue avec ce film. On est sur quelque chose de vraiment vraiment très bizarre, hein. C'est un monstre de Frankenstein en fait, le film en soi. En fait la Terre sort de son axe et du coup il arrive plein de phénomènes étranges. Et ce phénomène principal est une invasion de zombies. Et du coup c'est une sorte de série B assumée qui voudrait se moquer des films de zombies, qui voudrait se moquer de Romero, il le cite beaucoup. Il parodie beaucoup le genre horrifique et en fait il le parodie pas de la bonne manière, il le parodie avec un certain mépris qu'on sent pendant tout le film. Et ça donne quelque chose de très gênant, on a un peu l'impression, je ne sais pas pour les fans du genre, mais je pense que les fans de films de genre ont un peu l'impression d'être pris pour des abrutis. Il utilise des clichés et en fait il ne les contredit jamais, il ne fait qu'utiliser les clichés. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il va y avoir une chute, qu'il y a une blague là-dessus, du coup on a un petit rire qui arrive. Et en fait non, il n'y a pas de blague, c'est vraiment juste le film là-dessus. On a le film qui brise le quatrième mur à 2 ou 3 reprises sans raison apparente autre que pour s'amuser, le réalisateur qui s'amuse. On a vraiment tous les personnages clichés de la jeune fille hyper sexualisée, Selena Gomez, du geek boutonneux qui tient un magasin de comics et qui est pas capable d'aligner 3 mots à n'importe qui sauf son pote. On a la flic qui ne sert à rien, enfin vraiment la flic elle est vraiment juste accessoire et c'est vraiment genre la pleurnicheuse, la peureuse du groupe. Enfin on a vraiment tous les clichés du genre qui pourraient faire scandale si c'était pas un genre un peu horrifique comédie. Mais en fait, vraiment, il ne les contredit à aucun moment et ça donne un film qui a l'air vraiment très méprisant sur le fond comme sur la forme. Sur la forme, le film est très beau, honnêtement, c'est son gros point fort. Visuellement, il est vraiment très joli, la photographie est vraiment très belle, mais sur le fond, on arrive à quelque chose qui est vraiment tout ce que le film essaye de dénoncer. Il tombe dedans et c'est bizarre, en tant qu'il en a conscient. Et en tout cas, on a une critique de la société, mais qui est appuyée, mais avec des sabots énormes, avec une voix off qui ne sert à rien. Je sais pas, Jim Jarmusch avait peut-être habitué à mieux, c'est pas la première fois qu'il fait des films de genre, il avait déjà fait Only Lovers Left Alive, Ghost Dog, et là je sais vraiment pas ce qu'il est. Enfin, je sais vraiment pas ce qui s'est passé avec ce film, c'est quelque chose d'assez particulier, il est pas mauvais en soi, il y a quand même quelques blagues qui fonctionnent, on passe des bons moments, le film, voilà, mais on arrive à quelque chose d'hybride, on a l'impression que le film se fout de nous et qu'il se fout de lui-même, mais pas assez pour que ce soit vraiment pris comme parodie de premier degré. Trop premier degré à des moments, trop sérieux, après ça passe à la comédie mais pas assez appuyé, c'est vraiment très très bizarre. Donc on attend vos avis un peu en commentaire, ce que vous en avez pensé, est-ce que le film vous a plu. Nous on est un petit peu partagé en tout cas pour ce premier film de la compétition et on espère que ce soir par exemple avec Le Dain de Quentin Dupieux, la compétition va prendre une autre tournure, enfin c'est la quinzaine des réalisateurs mais on espère que les films vont peut-être prendre une autre tournure. Je pense qu'avec Dupieux on va pas être déçu en tout cas. On sera surpris, mais pas dans le mauvais sens du terme, je pense. Donc voilà, que dire sur The Dead Don't Die, à part que le film, lui, ne se réveille jamais, en tout cas. Merci d'avoir suivi la vidéo, et on essaye de se retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo. Il y aura des articles sur le site aussi directement. Et voilà, on se retrouve très vite. Excuse me. Those are some pretty good cuts. You played some minor league ball, didn't you? Well, a little class A. It was a long time ago.